Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 7 avril 2017, eh bien, on va faire le tant attendu tuto, troisième partie, suite et fin, de l'introduction de la programmation en Perl. Eh ouais, ça envoie du lourd là, hein. Attention. Donc, pour ça, on va aller dans quoi? Je vais aller dans mon petit endroit qui va bien, donc TMP, Perl, voilà. Ce qu'on va faire, on va peut-être d'abord faire notre base de données. Qu'est-ce que vous en pensez, non? Ce serait pas mal. Donc, ce qu'on va faire, on va se connecter dans la base de données. Oui, alors par contre, ce qui peut être pas mal, c'est effectivement de démarrer le service de base de données. Hein, service. Service. MySQL. Oui, alors dans le bon sens, c'est bon. Voilà. Bien. Donc, on va se connecter vite fait dans MySQL. Donc, MySQL-U root. J'ai pas de mot de passe par défaut. Pour root, mais c'est pas bien grave. Donc, on va faire une petite base de données. Create database Perl. Pas mal. Use Perl. Dans notre base de données Perl, on va faire une petite table message avec un ID qui s'auto-incrémente et puis une colonne texte. Un truc tout simple. Donc create table message. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? ID int de 8, ça veut très bien. Note nulle auto incrémente, c'est bien ça. Ça s'incrémente tout seul, ça va être très bien. On va faire une variable txt qui sera un var char donc de 64, c'est pas mal. Note nulle aussi, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis on va dire que la primary c'est ID. Voilà, c'est pas mal. Donc show table. Voilà, on a notre petit message. Notre petite table message. Et puis on va insert into dans cette table. Message. Donc juste txt dedans. Values. Bonjour. Voilà. Select étoile from message. On vérifie que ça marche bien. Ok. Et donc, on va se créer un utilisateur. Donc, je vais faire un one shot. Je vais mettre les droits sur l'utilisateur. Comme ça va le créer en même temps. Donc, grant quoi on ou to key. Bon, moyen mnémotechnique. Donc, grant quoi? Grant all on ou. Donc, ma base de données, Perl. To key. Perl user @localhost et on va lui mettre un mot de passe identify by vive Perl. Ça vous convient comme mot de passe, non? Vive Perl. Et flush privilège, voilà, pour prendre en compte les droits et on se casse de là et on a fini pour MySQL ou MariaDB. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de deux modules qui sont alors DBI, Perl DBI, ici, et Perl DBD MySQL. Alors, bien sûr, si vous voulez autre chose que MySQL, vous avez les mêmes modules. Vous avez DBD-PG pour PostgreSQL et DBD-SQLite. Bien. Donc moi, je prends MySQL. Si vous les avez pas dans votre distro, vous pouvez installer ces modules avec la commande cpan-fi et donc ça va compiler le module automatiquement. Donc les modules c'est DBI ou DBD MySQL dans notre cas. Voilà. Donc je me déconnecte. Et puis on va, maintenant que ça s'est installé, on va tranquillement créer notre script. Alors je vais juste ouvrir un autre terminal, ça va être marrant. Voilà, on va faire un
tlf var log mysql. Vous allez voir, mysql debug. J'ai activé les logs très très verbeux de mysql. Ça déjà, je me rappelle quelle base de données j'ai créée. Et surtout, on va voir les trucs s'exécuter. Donc, on va se faire un petit script, vsql.pl. Donc, comme d'hab, on met l'interpréteur de commande, usr bin perl. On va mettre les us qui vont bien. Donc, use strict, use, voilà, alors j'ai écrit n'importe quoi, use warning. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on va manipuler autre chose que le script lui-même, on va se permettre de se mettre en UTF-8. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. On va mettre nos deux modules intéressants, use dbi et use dbd mysql. Voilà, comme ça, on a nos modules qui vont bien. On va se définir des petites variables assez sympas. Parce que quand on va se connecter et qu'on va faire différents trucs, on va quand même utiliser des variables, c'est un peu plus propre. Donc $db, qui sera le nom de la base de données. Donc je l'appelais Perl. Voilà. On va faire my $dbhost, qui est localhost. Voilà, ça fait quand même plus propre. My $db port. Alors par défaut sur MySQL c'est 3306. C'est facultatif, mais je préfère tout mettre, comme ça vous voyez tout. My $db user, nom d'utilisateur. Perl user, je l'ai appelé, je crois. Je vérifie. Voilà. Et donc my $db passwd, le mot de passe. Vive Perl. Et puis, tant qu'à faire, on va se déclarer des petites variables, comme ça on les aura sous le coude. Donc, $dbHandle. Alors, dbHandle. Qui sera donc le truc qui nous servira à utiliser la base de données. My $SQL. Hein, on mettra nos requêtes SQL dans cette variable-là. My $statement, qui est le vite une traduction s'il vous plaît. Statement qui est, oui, vous êtes en train de le dire déjà sur vous, mec, ouais, l'instruction. Voilà, on va faire my $result, qui sera le résultat de l'instruction, de la requête, hein. My $row, parce qu'on va faire un select au moins, donc pour parcourir toutes les lignes du résultat, on utilisera la variable row. Et my $txt, qui sera la variable dans laquelle on mettra peut-être du texte à insérer. Voilà, je vais sauter une ligne. Ok, donc ça c'est pas mal. Je vais rendre chmod plus x sql.pl, comme ça on sera tranquille. Donc voilà, maintenant on a tout ça. Et ben feu, on va peut-être quand même se connecter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc connectons-nous à notre base de données. Donc là, on va initialiser notre dbHandle. Ceux qui font du PHP ou autre, souvent on appelle les variables $PDO, comme ça, c'est la variable qui va nous permettre d'utiliser après cette connexion à la base de données. Donc dbHandle égale, donc on écrit comme ça, dbi connect. Et donc là, c'est là qu'on va mettre la chaîne de connexion. Donc dbi deux points mysql, c'est la base de données mysql, database égale $db, voilà, point virgule, host égale dbhost, deux points dbport, donc le deux points dbport est facultatif, mais je le mets quand même,
point virgule user égale DB user, point virgule password égale DB password. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, à partir de ce moment-là, donc je vais mettre on se connecte. Tiens, je vous le mettrai sur Passbin, le script. Tiens, ça pourrait être sympa. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est connecté à la base de données. Donc, j'exécute le script sql.pl. Il ne se passe pas grand-chose. Au moins, on sait qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des connexions. Et donc, si on regarde dans les logs de SQL, vous voyez, 20h55, c'est là, tout de suite, maintenant. On s'est connecté. Bon. On note quand même que la déconnexion est un peu violente. Donc, maintenant qu'on est connecté, on va se faire une petite instruction simple pour voir comment fonctionne une requête SQL. Donc, on va faire $statement égal. Et donc là, on va appeler notre fameux dbhandle. Voilà, on appelle notre connexion. Et on va lui dire, prépare-nous la requête. Prépare set names UTF-8, hein, puisqu'on est en UTF-8. Voilà, truc tout con. Et donc là, on prépare la requête, mais on ne l'a pas encore exécutée. Donc pour l'exécuter, $statement exécute. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc à ce moment-là, eh ben, la requête va s'exécuter. Je lance le script. Voilà, on s'est connecté cette fois-ci. Et on a exécuté notre requête. Et on est parti. Bon, c'est pas mal, mais pour le moment, on n'a rien fait. Hein. Donc tant qu'on laisse ce dbhandle ouvert, ben, la connexion à la requête, à la base de données, elle est toujours effective. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se faire un petit select. Parce que tout à l'heure, j'ai quand même créé... J'ai mis un enregistrement dans mon truc. Donc, on va faire un select pour lister notre enregistrement. Donc, je vais mettre des commentaires. On passe le jeu de caractères en UTF-8. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select. Donc, pour faire le select, on fait quoi? J'utilise la variable SQL, c'est quand même plus élégant. Et on va mettre notre requête SQL là-dedans. Select étoile from message. Alors, je préfère faire comme ça dans le sens où ben, ça peut être quand même plus sympa de mettre dans une variable la requête, dans le sens où on va pouvoir faire des vérifications avant, échapper des trucs. C'est quand même plus lisible de faire sur plusieurs lignes que sur une même ligne. Ensuite, on rappelle notre statement. Et là, on va lui dire, eh bien, tu vas nous préparer la requête SQL. Donc, on fait quasiment la même chose que ça. Sauf que cette fois-ci, on appelle notre $SQL. Voilà. Donc là, on appelle que des variables. Et ensuite, on exécute. Alors, si vous êtes fou... Ah, la coloration syntaxique me dit bien qu'il y a une erreur. Donc voilà, ça va exécuter notre select étoile from message. Juste l'exécuter, hein, ça va rien nous afficher. Vous pouvez écrire sans problème ça. C'est la même chose. Hop. Hop. Sauf que c'est illisible. Voilà. Mais ça fait la même chose. Mais c'est nul, c'est lisible, c'est nul. Voilà. Donc je vous le montre pas, vous n'avez rien vu. Donc là, maintenant si on quitte le script, qu'on le relance. Elle s'appelle pas message, ma table. Bon là on l'a. Message. Si. Grant quoi on ou. Ah mais oui, mais j'ai fait n'importe quoi là. Qu'est-ce que j'ai tapé comme commande? J'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai foutu en vrac mon terminal, comme d'hab. Ah, ouvrir un nouvel onglet.
J'ai fait n'importe quoi là. Dans MySQL-U. Root. Ah non, ça c'est autre chose. Eh oui. J'ai dit que je mettais sur la base de données, mais je n'ai pas dit que sur toutes les tables il avait le droit. Voilà. Ok. Donc là, ça devrait mieux marcher quand même, non? Et donc je remets mon tailf machin. Hop, voilà. Donc si je fais ça maintenant, ah bah voilà, ça marche un peu mieux. Hein? Quand tu mets les bons droits sur les bonnes tables et les bonnes bases, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc ça marche. Mais ça nous affiche rien parce que on a fait un select, mais on n'affiche rien. Donc si on affiche rien, ça n'affiche rien. Bon, eh ben, on va l'afficher. Donc on va faire tout simplement un petit while et on va parcourir. Donc on va définir la variable $row. Dans row, on va mettre le résultat de notre quête. Donc $statement. Et bah du coup, on va parcourir le tableau. Donc fetch. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle en PHP, hein, MySQLi, fetch array, tout ça. Donc fetch row. Et c'est un tableau. C'est un hash. Href. Tac, tac. Tac. Donc attendez, je vais vous mettre un espace pour bien voir les trucs. Tac. Et tac. Voilà. Et puis maintenant, donc pour là, en gros, ça veut dire pour chaque ligne de mon résultat de ma requête, et ben on va faire des trucs. Donc on va écrire par exemple $result. Donc on va marquer tout simplement par exemple le message $ID vaut. Alors $ID, je vais le changer, hein, vaut $TXT. Parce que c'est pas écrit comme ça. Donc là, comment on récupère? Et à la fin, je vais faire un petit print, un vieux print $result. Result. Anti-chaîne, voilà. Bon. C'est nul, hein, mais on affiche comme ça. Donc, comment on récupère le ID? Et bien, tout simplement avec $row, hein, puisque ici. Donc là, on récupère la ligne. Et après, il nous faut juste la colonne ID. Donc, on récupère comme ça. Ok. Et donc pour le texte, eh ben c'est pareil. $row, tac tac, et entre accolade, on récupère le champ de la colonne. Et donc, là ce qui va se passer, c'est qu'on exécute notre requête et on va parcourir le tableau. Chacune des lignes, on la met dans le row, et pour chacune des lignes, on met dans la variable result le message. On récupère la colonne ID de la ligne et la colonne TXT de la ligne. Voilà. Et on affiche le result. Donc on va afficher le message 1 vaut bonjour, ce que j'ai mis tout à l'heure. Démonstration. Heureusement, ça marche. J'ai eu peur que ça marche pas. Voilà, le message 1 vaut bonjour. Et donc là, on voit bien qu'on a fait juste un select étoile from message. On n'a pas fait plus. Alors, ops, pardon, je vous demande quelques instants. Voilà, vous n'avez rien vu. C'est la magie de la pause. Donc, et ben voilà, donc on a réussi à faire un select et à parcourir le tableau. Alors, vous allez me dire, oui, c'est de l'enfumade, ça marche que pour 1. Et ben, tiens, perl, user-p, perl, voilà, on met un petit mot de passe qui va bien, donc vive perl. On va mettre une deuxième valeur, insert into message. TXT values. Comment ça va? Tiens, puis on va même mettre un petit caractère accentué pour vous montrer que ça marche bien. Ah oui, mais si j'écris n'importe quoi. Hop, voilà. Donc là, je mets une CCD. On corse les choses et on va voir que le rendu est parfait. Voilà, donc ça marche et ça parcourt bien tout. Alors, là, on a un select. Bon. Et on va remplacer notre
On va remplacer notre bonjour par salut. Donc, on va remplacer notre bonjour par salut. Donc, on va faire un update. On fait un update. Donc, on va faire à peu près la même chose. Donc, on copie. Merde. Ah bah voilà, vous savez maintenant comment on copie trois lignes. Dans VI, 3YY. Voilà. Et P pour coller. Voilà. Je suis flemmard. Donc, update. Message 7. Donc on va définir par exemple txt égale salut where. Ouais, on le fait par le ID ou par on va le faire par le ID ou est-ce qu'on va le faire par le contenu where. Allez, ID égale 1. Ouais, c'est bien. Voilà. On exécute, on prépare et on exécute. Bon, super. Alors là, on va mettre. On va même, à la place des mêmes des commentaires, on va peut-être mettre print. On fait un select. Tiens, on va l'écrire comme ça. Donc, print. On fait un update anti la chaîne et eh ben écoutez, une fois qu'on aura fait notre update, on va refaire un select. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, donc 11 y voilà, et p, voilà, et on refait notre select. Donc on fait un deuxième select. Donc là, ce que ça va nous écrire, c'est pas bien grand chose. Ça va nous faire le select étoile. On va parcourir, on va faire un update et on va reparcourir le tableau et on va voir que dans le deuxième select, eh bien notre bonjour s'est transformé en salut. Donc déjà ici, je vais sauter des petites lignes, voilà, pour voir les logs MySQL. Voilà, on fait un select, message 1 vaut bonjour, message 2 vaut comment ça va, on fait un update, on fait un deuxième select, tiens, il y a une couille dans le truc, message 1 vaut salut, le message 2 vaut comment ça va. Voilà, et donc là on voit bien qu'il nous a fait un setName UTF8, select étoile from message, on a fait notre update, et on a refait notre select étoile. Cool! Alors là, par contre, je sais pas pourquoi il me fait du caca nerveux. C'est ça qui est génial avec la langue française, c'est que... c'est qu'on a des caractères à la con. Bon. Alors c'est bien, on fait un select, on fait un update. Bon. Si on va insérer des trucs, ça peut être pas mal d'insérer des trucs. Alors. On va faire, tiens, regarde, on va faire un insert. Je vais juste modifier mon update là. Je vais mettre texte égale salut, where txt égale bonjour. Comme ça, on va remplacer tous les bonjours par les saluts hein, après. Donc, je vais faire mon insert au début. Voilà. On fait un insert. Alors là, on va faire un peu différemment. On va faire un peu différemment et ce que je vais vous montrer, ça va permettre il me semble que ça permet d'éviter les injections SQL. C'est pour ça que je vais vous le montrer comme ça. Donc déjà print, on fait un insert. Là par contre je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais il me semble qu'on évite l'injection, la potentielle injection SQL en faisant comme ça, avec notre requête préparée. Donc, ici, on fait notre requête. Donc, $SQL égale insert into message txt values. Et là, attention, on ne met pas la valeur. On met un point d'interrogation.
Voilà. On met les points d'interrogation à la place des valeurs. Pourquoi je fais ça? Il me semble, ou alors c'est en PHP, non, je ne sais plus, mais les requêtes préparées permettent d'éviter les injections SQL, bien souvent. Donc là, on fait à peu près la même chose. Donc, statement DB handle prépare SQL. Et on va exécuter notre statement. Sauf que, entre ce temps-là, faut qu'on lui dise qu'est-ce qu'on va exécuter. Et donc là, on va dire que qu'est-ce qu'on va mettre comme texte? On va mettre $txt égale bonjour. Bien. Sauf que si on exécute, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quelle valeur. Et bien tout simplement, on va mettre $txt. Voilà. Puis ça permet aussi de pouvoir tester ce qu'on va insérer avant. Là, on peut tester s'il n'y a pas d'injection SQL. Enfin, on peut faire plein de tests avant de balancer la sauce. Et donc là, ça va nous faire insert into message, txt, values, bonjour. En fait, on passe à exécute les arguments. Testons. Voilà, on fait un insert. Et là, on voit que ça a bien marché, hein, parce qu'on a le bonjour. Donc on a salut, comment ça va, bonjour. On a l'update. Et salut, comment ça va, salut. Donc il a bien remplacé notre bonjour nouvellement installé. Inséré. Voilà. Donc à 21h11, j'ai fait quoi? Je me suis connecté. J'ai fait un setNames. J'ai fait mon insert into. J'ai fait un select from message. J'ai fait mon update. Et j'ai refait mon select. Cool. Bon. Alors maintenant, c'est pas cool, hein, mais il va falloir quand même supprimer un peu le bordel qu'on a mis. Hein. Faut que je vous montre quand même comment on supprime les choses. Donc, pour éviter de pourrir le script, on va supprimer tout ce qui est supérieur à 2 au niveau des ID. Donc, on édite notre script. Là, je refais mon 11YY. Voilà. Voilà. Donc, on fait notre troisième select. Ici. Voilà. Et donc, on va faire notre delete ici. On fait un delete. Donc, print. On fait un delete de tout ce qui est plus grand que 2. Grand que 2. Voilà. Donc, un petit $SQL, on reprend notre valeur SQL, tant qu'à faire. Donc là, requête SQL classique, delete, merde. Delete, bon, delete, ok, delete. From message, where id supérieur à 2. Voilà, super requête SQL. Et puis après, eh ben, on prépare et on exécute. Donc, on met les mêmes choses. Voilà. Pas compliqué. Donc là, on va supprimer ce qui est supérieur à 2. Donc, à force d'insérer des trucs, ben, on va voir que ça s'incrémente. Et tout ce qui sera supérieur à 2, ça va être disparu. Donc, je saute des lignes. J'exécute. Bam! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On fait un insert. Le message à vos salut. Comment ça va? Là, on a encore notre salut. Et on a notre bonjour. On fait notre update, donc tous les bonjours sont transformés en salut. Et ensuite, on supprime tout ce qui est plus grand que 2, avec notre delete. Et du coup, il ne reste plus que message 1 et message 2. Super, non? Et voilà. Alors par contre, la déconnexion, elle est un petit peu nulle à chier. C'est pas très bien géré. Donc, il y a moyen, pour terminer, de se déconnecter proprement. Hein, c'est mieux. Une fois que tout est terminé, statement finish. Là, voilà, ça c'est propre. On dit que ouais, c'est terminé quand même. Et puis, on peut se déconnecter proprement de notre base de données DB handle disconnect. Voilà, faisons les choses proprement. Donc, si je réexécute,
Voilà. Là, on n'y voit pas, mais on s'est déconnecté quand même beaucoup plus proprement. Donc, je vous remontre ici. Statement finish. Parfois, si vous refaites une requête SQL et que vous n'avez pas fait un finish, vous pouvez avoir un avertissement. C'est le cas dans mon super programme de 700 lignes. Je vais vous montrer ça. Alors, le problème, c'est que... Oui. Le problème, c'est qu'en ouvrant Vivaldi, ça va ouvrir du bordel, mais c'est pas bien grave. Voilà, vous avez pas vu le bordel. Avec un petit coup de souris, voilà. Donc un cas pratique, c'est ici. Donc, finish. Voilà. Ici, on a des... donc finish, on l'a qu'une fois, on l'a que ici. Où on fait une requête SQL. On prépare, on exécute, donc vous voyez j'invente rien, hein. Elles sont là. Alors bien sûr vous pouvez mettre dans un try catch vos requêtes, hein, de manière vous faites tout votre bazar. Et voilà, statement finish, et après on se déconnecte tranquillement de la base de données. Sinon parfois ça peut crier dans la suite du script Perl. Et donc vous pouvez faire ça dans un petit try catch. Alors je me rappelle plus si je l'avais montré, le try catch. Non, c'est pas celui-là. Donc je sais pas si j'avais montré le try catch, mais on va faire un test de try catch, par exemple test de try catch. Alors try catch, c'est pour gérer l'exception en cas d'erreur. Je sais pas si j'en ai parlé avant. Donc pour le try catch, on a besoin d'utiliser un module qui s'appelle try tiny. Alors par contre, ça fait un bail que j'ai pas utilisé ça. C'est un peu de l'impro. Donc après, vous faites votre try. Catch. Et là, vous gérez votre exception. Donc, on va essayer de faire un truc. Là, on va mettre print OK. Et là, on va mettre print KO. Alors, par contre, ce que je vais faire pour vérifier que ça marche, mon try catch, on va mettre my, on va faire un truc à l'arrache. Hein. My dollar error, on va provoquer une erreur. Hein. Bah, clairement, ça marche pas, une division par zéro. Merde. Oui. Oh. Allô. Voilà. Alors oui, forcément, Tritin n'existe pas. Donc, sudo. Je vous montre avec CPAN pour installer Tritin. Alors, try. Je vais regarder s'il existe, le module. Bon, il existe ici. Donc, soit vous installez Emerge, enfin, ou le Tritin. Soit vous faites sudo CPAN-FI pour installer le try tiny. Voilà. Et là, ça va installer en allant télécharger directement chez CPAN, donc sur le site des modules de Perl. Voilà, ça va télécharger le module try tiny et ça va le compiler. Voilà, donc là, c'est assez rapide. Donc là, ça doit marcher. Ça voici. Boum, voilà. Mais ça marche pas tant que ça. Ça marche pas parce qu'à mon avis, ligne 102. Ah ouais. Je crois qu'il y a une toute petite subtilité, c'est qu'il faut mettre un point virgule là. Attendez, on teste. Ok, KO, c'est bon. Et donc s'il se passe rien, si on divise 5 par 1, donc là ça marche, on doit nous afficher OK. Ouais, donc voilà, mon try catch il fonctionne. Donc en gros, si on a une erreur dans le try, au lieu de planter comme un sauvage, il nous met quelque chose de bien. Donc typiquement, là on va essayer de mettre un, je vais faire un select, mais alors j'ai fait n'importe quoi.
Non. Je vais faire un select, mais qui marche pas. Donc je recopie mes lignes, tranquillou. Là on va mettre select OK. Select OK, et là on va mettre select KO. Et donc là, voilà, ça c'est l'intérêt de try catch, c'est que si votre requête SQL fonctionne, bon, ça va mettre select OK, ça l'aura fait. Là ça marche, OK. Select OK, puisqu'on fait un select étoile from message, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, si là on fait un select, pour une raison X ou Y, on fait une requête SQL et puis c'est de la merde. Voilà, une table qui n'existe pas. Normalement, il doit nous mettre select KO. Eh ben non! Oh le con! Ça marche pas très bien. Quand j'avais fait. Bon, ça se voit que c'est de l'impro parce que je fais n'importe quoi. Alors ça sent sans marcher, mais bon, c'est pas grave. Bref, bah, je vous aurais montré le try catch quand même, hein. Sinon. C'est curieux. À moins qu'il faut faire là proprement la déconnexion ici. C'est aussi possible. Non plus. Bon là c'est complètement de l'impro, donc bon, je me suis dit, on se la tente, mais vous voyez, quand on prépare pas son truc, et ben forcément ça marche pas très bien. Voilà, donc sinon dans cette vidéo un peu plus courte que les autres, hein, sur. Sur Perl, bah voilà, vous savez comment. Donc je vais virer ça dans le script. Comme ça. Voilà. Et donc je vous remets le statement. Finish. Voilà. Comme ça, je vais vous mettre le script sur Pastebin. Et puis vous l'aurez en dessous de la vidéo. Voilà. Donc je vérifie que tout marche bien. Et oui. Oui, alors par contre, si on fait de la merde. Voilà. Ok. Eh ben on va faire un petit 4 SQL.pl. Pipe. Wget. Paste. Et voilà. Et comme ça. Je vous mets ça en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien du. Pastebin, on va vérifier que ça marche, hop, ouvrir le lien, yeah, et ben voilà, comme ça vous avez le texte. Ah ouais, mais il n'y a pas l'autocomplétion. Bon, je vais vous mettre un truc plus sympa, Pastebin, je vais vous mettre sur l'officiel, je crois qu'il y a la coloration syntaxique en plus dessus, donc hop, ça. Choc, je vous mettrai les deux liens, hop. Tac, donc syntaxe Perl. Ouais. Jamais il expire. Public, je m'en fous. Donc Perl tuto linuxtrix.fr. Voilà. On paste ça. Et on balance la sauce. Voilà. Voilà. Beau script. Et ben, je vous mets ça en dessous de la vidéo. Voilà. Ça, il y a tout ce qu'il faut. Sur ce, eh ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de je sais pas quoi. Allez, ciao !